Bonjour à vous tous, ici Guylaine pour la capsule santé de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'un produit que je viens de découvrir qui s'appelle le babeurre. Connaissez-vous le babeurre? Eh bien, moi, je ne le connaissais pas avant de faire ma recette que je m'apprête à faire. Eh bien, le babeurre a été conçu... le babeurre est un produit qui... En fait, on peut penser que le babeurre est un produit très moelleux. En fait, on peut penser que le babeurre est un produit qui provient d'un gras, comme le beurre. Mais non, le babeurre a été conçu plutôt dans le temps de nos grands-parents où ils barattaient le beurre. Et en barattant le beurre, bien, celui-ci fermentait et qui produisait un aspect très moelleux au niveau de sa texture qui permettait justement de pouvoir faire plusieurs pâtisseries, des potages, donc plein de recettes savoureuses. Eh bien, dans notre cas, le babeurre, on n'est pas obligé de l'acheter. On peut le fabriquer. Donc, pour le faire, le babeurre, eh bien, on le fabrique avec du lait et du vinaigre blanc. Donc, on prend une tasse de lait pour une cuillère à soupe de vinaigre blanc. On mélange tout ça et on le laisse fermenter pendant 5 minutes. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un liquide qui devient un peu plus épais, qui devient moelleux et savoureux, un peu comme du beurre. Alors, celui-ci, on peut le mélanger à nos recettes de potage, de pâtisserie ou autre. Alors, j'espère que ça vous a aidé aujourd'hui à comprendre un peu plus c'est quoi le babeurre. Et puis, bien moi, je m'apprête à faire un potage au céleri qui contient du babeurre. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette capsule santé de la semaine. Et nous, on se voit dans la prochaine émission de La santé dans votre assiette dès mercredi prochain.